Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion, aujourd'hui nous sommes le 1er août 2024. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je viens encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore réfléchir sur notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes un jeudi. Donc, je devrais en principe faire une émission réaction. Mais moi, j'ai trouvé bon de faire une réflexion. Pourquoi cette réflexion? Parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase où il faudrait de l'intelligence. Il faut utiliser Mayele Nabiso pour nakuluka ba solution. Il y a République démocratique du Congo. Nous n'allons pas toujours réagir à ceux qui nous attaquent, à tout ce qui nous en veulent de notre personne. Mais même notre pays, batu oyo baza ko attaquer biso, batu oyo bazo linga ba déstabiliser mboka na biso. Toko kiko luka solution na buzo bazo bate. Nous ne pouvons pas y aller comme ça sans réfléchir. Et moi, je pense que nous vaincrons si nous mettons notre intelligence en pratique. Donc, nous utilisons notre intelligence pour chercher les solutions. L'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des négociations qui se passent à Luanda. Bandeko, qu'est-ce que la République démocratique du Congo aza kotia na mesa? C'est ça le problème. Nous allons parler vraiment de toutes ces négociations. C'est pour cela que je me suis dit, au lieu de ça, la réaction, n'a pas ça mon point de vue n'angaï, sur ce qui devrait se faire, ni n'ango tozo négocier na Rwanda. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà les deux sujets brûlants que nous allons parler. Et finalement, nous allons parler, après avoir réfléchi sur ces deux sujets-là, nous allons donner la solution toujours. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que nous proposons comme solution. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Beaucoup d'entre vous savent déjà que j'en parle depuis tout le temps. Je suis en train de vous embêter avec la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Mais moi, je pense que tout le monde qui m'appelle ne m'a jamais encore convaincu que ce n'est pas ça la solution. Félix Tshisekedi avait dit « Prenez-vous en charge ». Voilà ce que moi je suis en train d'expliquer. Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge pour que nous puissions avoir effectivement cette indépendance économique, politique et administrative de notre pays. Voilà donc les deux sujets que nous allons nous baser dessus. Donc, c'est-à-dire les négociations du Luanda, de Luanda que le gouvernement a entamé, ça fait maintenant 2 jours. Et puis la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons vous expliquer la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Voilà ce qui va nous réunir aujourd'hui. Et donc je suis encore très content. Restez là. Si vous n'êtes pas encore abonné, Bande Konangai, il vous sera difficile de capter ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Ce que nous sommes en train de dire, je veux dire. Pourquoi? Parce que c'est une succession d'idées. La fois passée, c'est une continuation. Nous allons expliquer une certaine portion de cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est pour cela que nous vous demandons de vous abonner. Partagez aussi nos émissions pour que les autres puissent en bénéficier aussi. Réflexion oyo ekoma, réflexion à mounene na batunyo sotou. Voilà, on va donc prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Tendance, RDC, le président angolais et congolais se sont parlé au téléphone ce mercredi. Le gouverneur Daniel Bumba réduit la taille de son gouvernement. Chopo, ses révélations troublantes sur les conditions de travail des députés provinciaux. Nous allons sur actualité.cd.
Le Sénat reporte à une date ultérieure l'élection du bureau définitif en raison de désaccords politiques. C'est le fait dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'UE appelle à la mise en œuvre rapide et globale de toutes les décisions prises en Angola. APK, depuis ce samedi, la session extraordinaire de l'investiture du gouvernement de Daniel Bumba. Congo profond, l'intelligence humaine à l'épreuve quand la politique congolaise plongeait dans le chaos. Kinshasa, le nouveau gouvernement provincial sera investi samedi prochain. Génocoste, la RDC refuse d'oublier les victimes pour le gain économique. Kisangani accueille ce vendredi les commémorations officielles. On va sur 7/7, Modero Simba. Au ministre de la Justice, je n'ai aucun document qui me place à la prison de Makala. Et puis, Félix Tshisekedi séjourne en Belgique pour des raisons médicales. Ça, c'est la présidence qui a communiqué. Et puis, RDC, la Banque mondiale va accompagner le ministère de portefeuille dans la lutte pour l'implémentation de la bonne gouvernance. Enfin, c'est le fait de ces Rwanda. L'Union européenne salue et appelle à la mise en œuvre rapide et globale des décisions prises à Luanda. On termine par Radio Okapi. Maniema, le député Saloumou alerte sur le décès de 5 civils à la suite des combats entre miliciens à Kasongo. Ituri, 20 rebelles ADF abattis dans les opérations conjointes FARDC UPDF. Et une semaine à Loa. Génocoste, nous avons voulu honorer les mémoires des compatriotes tués par les Rwandais, notait le professeur Alissa. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, l'actualité est prédominée par cette attaque de ma maman Olive, tout ça. Elle ressort encore dans l'actualité. La justice qui ne va pas. Demain, on va célébrer, je ne sais pas, le journal de Génocoste. Bref, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes en train de réfléchir sur le sujet brûlant d'actualité et comment est-ce que nous pouvons amener à ce que nous puissions être présents dans ce que nous passons négociation. Bande Konangai, pour entrer dans le vif de notre sujet, ce qui se passe à Luanda n'est qu'une option Oyo, gouvernement Nabiso et Adoptaki. Nous avions vu qu'on a arrêté Abe Baala parce qu'on l'accuse d'aller faire des négociations dont on ne l'a pas envoyé Makambazo qui n'a négocié dans M23. Congo, notre gouvernement a pris l'option de ne pas causer avec les rebelles. Balobi, bah rebelles M23, baza ba coquille vide, c'est le Rwanda qui est en train de les commanditer. Entre-temps, bozo sololana Rwanda, pona makambo M23. N'est-ce pas? Bokulobi M23, Rwanda n'est pas sponsor na bango. Donc, vous devez tout simplement causer avec le Rwanda. Ok, c'est bien bon. Ezan mango na problème te. Mais Tommy tout na question. Est-ce que ba mobondo pende baza sponsorisé na Rwanda? Ba ADF na lo baza ko boma na beni baza pe sponsorisé na Rwanda? Ba Zaire o ba uti ko boma 30 personnes na Ituri kuna baza pe sponsorisé na Rwanda? Ba Kodeko baza sponsorisé na Rwanda? Et tous ces multitudes de milliards de petits groupes armés, baza sponsorisé qu'en Rwanda. Et c'est là où moi je trouve que tozo kende kaka bien te. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Nous sommes en train de passer notre temps inutilement au Rwanda. Donc, les groupes armés n'ont pas encore fonctionné. Même les Red Tabala, même les Sud Kivu, tout ça. Tous ces milliards de PDD, ils sont sponsorisés par le Rwanda. C'est le Rwanda qui est en train de nous déstabiliser. Parce que vous dites que non,
il faut que na processus ya Rwanda po bo solo la na Rwanda parce que Rwanda a za sponsor ya nani ya M23 me bani ba groupes armés wana mususu botiki bango wapi. Donc le gouvernement pense que ce qui ba solo likaka na basili sili kambo ya M23 et que bitumbe sili non. Nous avons vu ça après la défecture du M23 en 2012-2013. Les groupes armés ont continué à fleurir. La MONUSCO avait des rapports que non, bah, généraux, y a FARDC, bah, Zalakanaba groupe, armé, bah, bango, bah, Kota Kazamba, pour n'avoir minéré. Ils font des trafics et tout ça. Ça ne résout pas les problèmes, mes chers amis. Donc, nous sommes encore en train de taper à côté, à ciel ouvert comme ça, et tout le monde, la République démocratique du Congo, bazo sepe la balobi bon toke Luanda toke Kosiri Samakambo M23. C'est pas ça le problème. Le M23, c'est pas ça le problème, moi je pense. Moi je ne suis pas du M23, mais moi je crois que le M23 n'est pas le problème à résoudre en République démocratique du Congo pour chercher la paix à l'Est ou bien pour chercher la paix sur toute l'étendue du pays. Nous sommes en train de taper à côté. Moi, je vous dis, les lots osso qui to sololi na Kagame, qu'est-ce que nous venons avec sur le plan y a négociation. Qu'est-ce que nous négocions? Est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qu'il a apporté pour que à faire fléchir Rwanda à sa porte M23? Qu'est-ce que vous amenez sur la table? Quelle est la réflexion que tout le monde... Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons constaté que la négociation, les politiciens, les politiciens, ils ont toujours une négociation secrète. Le peuple n'est pas au courant. On ne sait pas quel est l'engagement que le gouvernement va prendre pour que l'Ikamboya reste ici là. Et là, nous trouvons dans le noir. Le peuple congolais sait tout simplement que non, bango balingi kakaba sololana Kagame. Ok, vous allez sololana Kagame nini? Qu'est-ce que vous allez négocier avec Kagame? Arrêtez à supporter le M23. Même si les rapports, il y a Nations Unies, Zako Monisa Keno, il y a à peu près 4000 soldats rwandais na kati ya République démocratique du Congo et que babibundeli tout ça. Le Rwanda a toujours nié cette histoire là. Il va vous dire tout simplement que non, messieurs, c'est pas notre problème. Nous pouvons plutôt vous aider. Mais en vous aidant là-bas, nous pensons que likamba ko aide bino ezali que bon extirper ba FDLR na kati armée na bino. En êtes-vous capable? Parce que nous sommes en train de supposer ce qui peut en train d'être causé là-bas. Nous ne savons pas. Le problème, Rwanda lobaka kaka mikolonyo se zalaka keno. L'armée congolaise égorge à son sein des FDLR qui sont nuisibles à notre sécurité, la sécurité du Rwanda. Et il a prouvé ça sur le plan international. Qu'est-ce que vous... Bon, moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que le gouvernement congolais avait déjà accepté que non, il va faire tout de son mieux pour que Abimisa ba FDLR, Rwanda, na poisa, a zong sa bango na Rwanda. Est-ce qu'il a déjà accepté ça? Quel est le pas qu'il a déjà fait depuis qu'il a accepté que non, ba FDLR bazana Congo? Parce que le Rwanda trouve toujours un motif à Koloba que non. Ba FDLR baza na kati ya Congo kuna boza ba twana baza menasa baza ba génocidaire. Ils sont au sein de votre propre armée. Est-ce que sommes-nous capables de dire que celui-ci c'est un FDLR ou bien celui-ci c'est un militaire rwandais? Parce que batumusu soupe oh ba na ba radio périphérique à Rwanda, nous avions entendu des émissions, nous avions suivi ba émission Oyobaza Kolobakeno au sein de du FARDC, il y a des militaires pratiquement rwandais. Et on a même cité une liste de ces militaires-là qui travaillent au sein de FARDC pour le compte du Rwanda. Tout ça, nous avons vécu ça pendant 5 ans. Félix Tshisekedi n'a jamais fait quoi que ce soit. Moi, j'étais sidéré hier de suivre quelqu'un à la télévision qui disait que non,
Batikela Félix Tshisekedi, une armée infiltrée. Mais on ne lui a jamais empêché d'extirper tous ces infiltrés. Même si l'armée était telle qu'on lui a donné, mais c'était à lui, c'était à sa responsabilité. Yakolobakeno Bandeko. Awa na monike tokosala malamu te. Voici ce que nous proposons de faire. Est-ce que tokoki kolongo la batunyo soba zonganamu et pas na bango? C'est ezamu kuwa. Félix Tshisekedi n'a jamais eu une solution pour ça. C'est comme ça que Batumsusu Baza Kolobakeno, c'est lui le traître. Il est en train de pérenniser la situation de Kabila. Parce que Kabila avait toléré ça. Qui était Biloko ne outi wapi et outi na ba opération à mixage na ba mixage au ezalaka na tango ya nani ya kosili sa baguerre wana ya CNDP ba Biloko na nyoso tout. Kabila a fait des sommiers pour que Assil Sabilo Kwana, c'est pour cela qu'il a accepté d'intégrer Batoba Outina ba rébellion, tout ça. Est-ce que c'était ça la solution? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, ce n'était pas ça la solution. Donc, négociation, Oyo, Bazako Sala na Luanda, moi, je pense que ces négociations-là n'aboutiront absolument à rien parce que le Congo ne va pas avec une solution. Tozo kende kuna koyebi sa Rwanda abimisa ba a stopper ko support ba M23. Rwanda pendant que il n'a pas encore assurance qui a ko accepté ko tika ba biloko wana. Assurance za nini? Au sein du FARDC ba FDLR ba Rwandais ya oba lukaka ba génocidaire ba tika ko bunda à côté de anani ya ba FARDC. Pourquoi Batwebele Bazako se pose question. Qu'est-ce qui motive? Quel est le pourquoi que Rwanda Azako insiste? Je ne suis pas ici un avocat du Rwanda, mais je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Elo Kwango Uti Wapi. Bandeko, souvenez-vous que Kagame est arrivé au pouvoir grâce à l'armée ougandaise. Kagame était un soldat dans l'armée ougandaise. Considéré aussi comme Ougandais. Lorsqu'il a fallu maintenant aller défendre ces terres, c'est comme ça qu'ils se sont venus. L'armée ougandaise a aidé Kagame pour envahir le pouvoir à Kigali. Voilà le schéma. Voilà le schéma. Voilà pourquoi est-ce que Kagame s'acharne avec le Congo en disant que ce qui batouana bazaka kanakati armée kuna, les jours où nous serons faibles, les jours où ils vont se préparer. Ils vont faire la même chose que ce que nous avions fait à Abiarimana. Il est conscient, Kagame est conscient de ça. C'est comme ça qu'il se bat. Mais si nous étions maintenant soit nés à la caté, nous on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il aurait Azako Lingaka Ayaka Kubundananane na Congo. Kagame se considère comme il est en guerre perpétuelle parce qu'il sait ce qu'il avait fait au Rwanda. Que cette histoire-là, le revers de la médaille peut lui revenir. Et si le Congo ne veut pas comprendre cette histoire-là, nous sommes dans un pétrin terrible. Ce qui Congo peut comprendre que nos Kagame a zako poursuivre batunae otozana bango awa. Il faut tout ça la tout poto et to easy Kagame que alobi non. Bon, négociation biso to lobi parce que la République démocratique du Congo avait déjà accepté que non ba FDLR bazali na kati. Il y a Congo, Bakona. Et il y a eu même des communiqués que non. Le gouvernement avait dit que à Pesaki Ndingi, ça n'a pas de banane, surtout au Bakozala, na contact, na FDLR, Bakozala Pini. Mais le Rwanda en sait beaucoup plus. Le Rwanda en sait beaucoup plus. Rwanda y est bien place wana Batu Bazali. Mais écoutez, j'ai kaka. Joseph Kabila avait donné cette opportunité à l'obi. Bon, bilo bozolo ba ke batoua na baza kote na biso. Alors, que l'armée puisse entrer. Est-ce que Simbaka est Simbakate? Pourquoi est Simbakate? Pourquoi est Simbakate? Parce que l'armée rwandaise, officiellement, elle était sur le sol congolais. Mais est Simbakate pour nanini? Au temps de Joseph Kabila, Kabila avait dit, bon, ok, pour tout sur Salikamboyo, tout vivre en paix. Bino bolobi que non. Batunabino bazana kati koto. Bandeko, je vais vous dire une chose. Tant que nous n'aurons pas à résoudre notre problème congolais, tokozala akaka, kokota, onazolo bana swahili, vita ya kishenzi.
parce que Congo a zanangoni azo ebaté na makambo wana te. Le Congo n'en tire absolument rien. Nous sommes en train de subir, mais c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas comment est-ce que Tokomi Longola na likambo ya Banyarwanda tikala na Banyarwanda kuna. Nous sommes entrés dans une guerre qui ne nous concerne pas et qui nous déstabilise à fond. C'est le Rwanda qui va vous donner encore une solution. Il va vous dire quoi? Batwana, baza komena sengai, baza mayele mingi. Pour ce fait, pour que bango ba menace bisote, laissez-nous contrôler la sécurité de votre pays. Voilà la solution que ils vont vous donner. C'est la même qu'on a donnée à Kabila. C'est ce qui a poussé à Kabila maintenant de s'immixer, de dire ok, comme bisoto ebi ba batwana makmaele na bangote place nini bazali, place au bazali te ba bombani wapi, nous allons les contrôler, ba entrer na ba sortir na bango, nous devons être là parce que c'est nous qui les connaissons. Rwanda eba kaibsaka Kabila nengwana lobi, bisoto ebi batwana bien. C'est comme ça que nous devons entrer aussi au sein de votre gouvernement, au sein de votre armée, pour que bisoto tala nengenini toko contrôler ba batwana ba yaka komenase bisote. Est-ce que cela peut se faire? Mais comme vous n'avez pas la solution, comme les Congo n'avaient pas la solution, Natangwa Kabila et Joseph, il a accepté. C'est pour cela que vous aviez vu les troupes entrer, ba troupes ba ke côté kuna ba sali, tellement que bango ba Rwandais ba mi yebi, ils se connaissent, ba yebi que non, après même 20 ans, 30 ans, ces gens-là s'organiseront. Et le jour-là, n'avions-nous pas été surpris, nous, Congolais, en 1994, comment on a master Moussousou, au Tokanisa qui est basé à Congolais, va disparaître quand Namboka ka boe bungo ko yokaka masters ala kasute o akenda Canada tango koti kigalo yoko kuta yazana nani azana kati ya nani ya azo sala azana na aéroport tout ça bamiye bani. C'est pour cela que cette guerre là ne peut pas nous concerner à fond. Non, nous devons chercher une solution en interne pour nous d'abord, pour nous, que ce qui solution on a ezali, ça va résoudre aussi la peur des autres voisins. Quelle est cette solution-là maintenant, Bande Konangaï? Solution à Nezanini. Parce que la négociation à Luanda Kuna Ezali Nezanango Ekobakle Nango Ekozoa solution te. Mais solution Ezanini. Qu'est-ce que la solution? Quelle est la solution que nous pouvons mettre en place en disant que solution pour Nalikamunabiso Ezanini? Un bon management ya pays na biso, ba institution na biso e sala, que notre pays puisse fonctionner normalement, la sécurité de notre pays assurée par la sécurité par nous-mêmes, que nous sachions qui est qui, si nous pouvons être à mesure de contrôler la population congolaise globalité, nous pouvons être à mesure de contrôler notre population, nous pouvons être à mesure de contrôler notre pays. Ça va rassurer beaucoup de gens et beaucoup de gens vont nous supporter même d'un côté international. Comment nous pouvons résoudre nos problèmes en interne? C'est-à-dire le Congo doit savoir qui il est, ni n'angoise au sale. Est-ce qu'il peut rassurer la sécurité de ces de personnes qui sont à bas voisins? Est-ce que le Congo peut se sécuriser lui-même? C'est ça le réel problème que nous avons. Mais tant que nous n'aurons pas compris ça, et que solution on a ekouta kana Rwanda te, ekouta kana Rwanda cherche à se proposer, à se protéger plutôt. Akotia biso na ba solution mususu o eza ko kene na ndenge na ye, o eza ko arranger. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc solution kuna o baza ko kende o basiri sanani banani eza nango passe-temps. C'est un passe-temps inutile. Ce que nous devons faire absolument, c'est que nous devons rechercher une solution en interne. C'est par là que je dis que la solution en interne que nous proposons ici, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Tant que tokoyeba nani eza nani na kati ya mboka na biso, nani azo sala nini, mbongo otoza nango tozo ko s'arranger biso moko, toyebi ko contrôler ba frontière na biso, toyebi ko garder ba frontière na biso, toyebi ko se garder biso moko, nous ne servons pas de base arrière à qui que ce soit
à ce moment-là, les autres pays vont avoir confiance. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un grand espace que si nous n'arrivons pas à gérer cet espace-là, nous aurons des problèmes avec nos voisins. Nous aurons des problèmes avec les gens qui sont à côté de nous. Si les Congolais n'arrivent pas à se gérer, il aura toujours des problèmes. Tokobando kolobaga que non, balinga kabiso te, bazako combattre biso pona ba minere. Oh, parce que boezali boe, parce que balin. Oui, nous sommes riches. Mais cette richesse aura de la valeur lorsque nous allons le mettre en valeur, effectivement. Mais aujourd'hui, nous n'en mettons pas en valeur. Tote kakaka ba matière première. Nous ne vendons que les matières premières. Nous n'avons jamais contrôler l'économie de l'Afrique centrale. Non. Si nous étions un pays producteur, un pays qui pouvait produire beaucoup de choses et contrôler tous ces petits pays, ça va. Nous serions comme l'Afrique du Sud en Afrique australe ici. Ba Namibie, tous ces pays, ba Botswana, ba Zambie, ba Zimbabwe, tout ça. Tout ça dépend. Ils savent que l'Afrique du Sud, c'est un géant. Le Congo aussi devrait occuper la place où on a un Koloba Ketosa géant parce que nous produisons, nous transformons et nous vendons à l'extérieur. Voilà les trois V que nous devrions vraiment réussir à faire. Donc, notre solution que nous proposons ici, c'est quoi? C'est que regardons-nous en face en nous disant quel est notre problème. Problème Nabiso na Congo Zali Nini, pour te résoudre Yango. Ici, c'est là où nous sommes dit, nous devons faire tout à élever notre mental, à commencer à réfléchir, parce que Mboka et Kosuka cannabis sur mon côté. Le pays ne s'arrêtera pas, ce qui Tshisekedi a à pouvoir. Jikaka est parti, le Congo est là, Mobutu est parti, le Congo est tika là. Le Congo est à Moutoute, le Congo est à Balouba, le Congo est à Rwanda, le Congo est à Banande. Mais il y a des propriétaires de ce Congo, qui est tous les Congolais qui y habitent. Mais il faudrait lui leur donner le pouvoir. Il y a un peu de temps qui est là. Solution autre qui envisage Bande Konangai et Zali,
stopper ça, pouvoir na peuple congolais à travers les institutions de base, c'est-à-dire quoi, ba territoire. Pourquoi je dis ça? Parce que tout le banan on a territoire à Niragongo, ou bien territoire à Massis, ou bien territoire au bah territoire où est contrôlé par bah M23. Je prends le bon tout le banan ou bien territoire moko ya Fizi par exemple, la côté à Burega kuna. Ils n'ont pas le pouvoir parce qu'ils ne savent pas. Bah ils ont contrôlé même population na kati kuna te. Baïebite, ils ne savent pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Nakati a territoire wana. Et cette tâche-là est donnée à qui? Aux gens qui sont dans l'administration centrale à Kinshasa. Moutoko kiko mona moutoua a débarqué quand nakati a territoire boa lobby que non gana outi Kinshasa, batiningana zala administrateur de territoire. Et même batiningana zala mwami. Parce que c'est ça et c'est ça qui se passe. C'est de ce pouvoir-là dont je parle. Kinshasa, aujourd'hui, nous devons être en mesure de dire que non, Bandeko, ça ne dépend pas de nous à être président tant que côté Moussousou, et Bokonzi, et Kangamakana place mon côté dans le 21e siècle, les lots. Notre constitution bat de l'air, des ailes, ça ne marche pas. Biloukouana, il faut comprendre, ça ne peut pas marcher. Rétrocédons le pouvoir au niveau de la base. Que tous les Congolais aient la mesure à défendre le pays. Ngana sepela kamingi awa bande konangai. Soki policier moko akanginga, ou bien tele msingai. Mikanda noeza wapina lakise, mikanda lobi bon, ok, c'est très bien. C'est très bien. Nous sommes en train de défendre notre pays. Comme si tous les amis qui n'ont pas de police, ce qui est en train de se faire, c'est que nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu arrêter Madi Kizela Mandela, la paix à son âme, lorsque Maman Winnie a été arrêtée sur l'autoroute ici par un simple policier. Et policier, on a même été na police station jusqu'à ce que pour un excès de vitesse sur l'autoroute, s'il vous plaît. Moutoua na sali moussala na ya ebi ke il n'en dépend pas. Bien sûr, corruption est zalaka. Mais je vous dis, mbo kanabiso yangouane zako zanga. Okokuta place moussousou na baboure gaboun, kuna deux petits, trois jeunes garçons bazako zala kote kuna bango bazo tcha loi. Pourquoi? Parce que l'État n'existe pas. Et Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il n'a pas fait attention à ça. Et là, quand on a des photos, ça, la bande, qu'on a ce tolingi, to bimana bosoto, to za nakati. Nous devons refonder notre pays. Nous devons rétrocéder ou redistribuer le pouvoir acquis des droits pour que to fonde nation moko compacte. Nation compacte et causal la teka kato mélanger batoubou et bouloubou. Non, ça n'ira pas de cette façon-là. Nous devons absolument quoi faire? Il faut tout tiabandeko ou baza na katia base, baza lande, bao bazako, que l'État commence à fonctionner normalement. Tout yé babatounini bakota kabatounini babimake panabiso. Banani ango baze panabiso. Nous ne sommes pas capables de nous déterminer qui est congolais et qui ne l'est pas. C'est ainsi que Rwanda za koyeba ke non mutuana asiami déclara za congolais za congolais té. Donc toko négocier kuna eloko mon côté, il peut vous dire que non toyebi ke ba FDLR bazana kati ya armée na bino. Tango bokoyeb sabango ba FDLR boya ko luka ba FDLR bi e koza la processus moko ya mulai. C'est à nous-mêmes de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. N'a qu'au gérer mbo kanabiso et qu'on mettre en exergue rétablissement et autorité à l'État. Que l'État congolais puisse commencer à refonctionner normalement na base. C'est-à-dire.
C'est-à-dire que ba tricherie oyo esila na kati ya ba élection na ba biloko tozo sala biloko wana to arrêté ango que on essaie un peu d'être un pays civilisé tokende na civilisation. Alors to koma kuna ndenge nini? C'est ça la question qu'on me pose souvent en disant vous prenez ça tous les jours mais vous ne nous dites pas comment ça va se faire. La première des choses que moi je dis toujours aux gens, les choses qui s'expliquent clairement ne demandent pas beaucoup trop d'explications. La rétrocession du pouvoir au niveau de la base, c'est de faire réfléchir le Congolais au niveau de la base. Nous avions dit que ça pouvait être fait par le président Félix parce que c'est lui qui a le pouvoir maintenant et que quand il se dit, il se dérobe de cette égoïsme en disant que non, tout le monde est un balingi pouvoir pour le pouvoir. Non, recommençons le Congo. Et comment recommencer? C'est d'appeler ce que j'ai appelé ici les états de lieu de chaque territoire qui devront être examinés par le propre fils de chaque territoire. C'est le premier pas que nous nous sommes dit, que le président de la République, d'abord aujourd'hui, Félix, il s'est dit, moi, peut-être en 2028, je ne me représenterai plus. Naebi que tozo kende musique, ce qui tozo kosala makamuna marko, mboka nabiso kosimba, te préparons une république nouvelle qui sera vraiment assise sur une bonne démocratie, ou que batunyo sotubayo kana, bomo ko ezala. Mboka ba dirija kango na lomate. Nous ne sommes pas ici pour venir coloniser les autres. C'est comme cela que moi je me suis dit que c'est ça que pour tant que Félix Tshisekedi a s'armer na mental wana koloba mboko eza mboka ba luba te. Mboko eza une certaine personne te. Mboka opoto linga ngwe foto ndima ke non. Tout ça ba solution o ekotili sa kimoibi o ekopesa droit de l'homme na mutu nyoso tout. C'est ainsi que nous nous sommes dit, cette réflexion devrait être portée à tous les Congolais. Le président Félix devrait faire quoi? Il devrait proclamer une 4e république à l'obi Bandeko. Moi, je pense que tant aux alliés, et puis Sabiso Maël, tokende na 4e république. Na 4e république, kuna mutunyo surtout aya kosolola na kati ya ba territoire nae. La première des choses que nous devrons faire, c'est de faire réunir, j'ai donné un nombre là à Kolobakeno dans chaque territoire, au moins 300 personnes, bavandi, bazo solo. Bako solo la nini? Bako tala likambo à constitution à Sika, bako tala pe, makambo à identification dans chaque territoire, parce que ze pas na bango. Bango ne moutou bako créer ba commission, balobi awa, moutou nini ango à kozala, nous allons identifier comment. C'est comme ça que j'ai dit. Na moment où totika makambo akokende ko négocier kana ba groupes armés ou quoi que ce soit. Appelons ces états des lieux de chaque territoire et que ba tunyoso tuna kati ya ba territoire wana o place ba bamando kezali. Ba vanda parce que ils reconnaissent le M23 sont en train de vouloir négocier avec Kinshasa. Mais bino nde fo bozala maele, makambo akoyaka na pouvoir lisusu na mandoki ou bien na tricherie, ezali susu te, nous allons proclamer une 4e république dont nous allons mettre tous les idées ensemble. Les idées ne sera pas être appelé par une assemblée constituante ou quoi que ce soit et kozala corrompi kaka na yo moko. Non, vous ne pouvez pas être jugé parti. Laissez que eloko wana esololoama na kati ya babituka na ba territoire. Ainsi donc, makambo ya ba M23, ba réclamation na bango, tout ce qu'ils veulent revoir le pays, qu'ils aillent le faire dans leur territoire. Maintenant là, somo ezali nini? Parce que même batu ya Congo central, même ba Luba, même ba Tutuni nyoso, oyo baza contre Tshisekedi, ils sont en train d'aller se liguer avec le M23 pour venir chasser Tshisekedi. Donc Félix Azako réfléchir te que même bande konaye, même ceux qui sont à son côté nanani, ils vont aller se liguer avec le M23. M23 ezozwa support toi, ezozwa support place ezozwa po nanini po ba chasser yo. Nous allons, c'est ce que j'ai dit, en continuant sur ces lancers là, nous allons faire la retourner la roue, nous allons retourner à la même case du départ. Batwana bakoya pe na groupe na bango biso ba M23 biso de to chasser la kibino Tshisekedi. Ils viendront avec ça. Il est grand temps. Tu sais que dit tika babilo ko ananyo so ba négociation oh ba token de côté. Non. Appeler les Congolais à se séparer, c'est ça la négociation dont nous parlons.
batumzu bazolo ba oh papa Germain ba négociation ni tosi to solo un dialogue ni ni dialogue. Non, nous ne sommes pas en train de négocier, mais nous sommes en train d'aller réfléchir sur une nouvelle et une quatrième république. Masolo anezala ya mutute, masolo anezala eko ezala ya groupe ya batute, mais congolais nyoso. Mais ba congolais nyoso ba ko se choisir nengeni, c'est dans les territoires que les hommes se connaissent et ba komba na bino ko ndo zala kuna na kati ya territoire. Mettez une assemblée constituante de 300-400 personnes o boko koko bino moko boko se choisir na kati ya territoire na bino kuna. Et l'objectif, ça sera quoi? Ça sera, un, l'identification de la population dans le territoire dans lequel vous allez causer et la réflexion sur une nouvelle constitution sur la 4e République. Pouvoir et Kobanda Kozalani. Toutes les thématiques de la constitution devront être discutées dans ces états de lieux dont nous allons faire. Ils examineront. Ils se diront, awa nde mboka nabiso, awa epa nabiso tozala na problème amai. Awa ton kita nabiso ezaboe. Awa, c'est par là que nous sommes en train de dire que négociation a malamu e kozala. Donc, ba tukuna place ba kodeko ba zali, ba ngope ba zala kanaposa ba solo la. Mais ma solo na bango e kenda ka Kinshasa kozala réaliser te. Mais ma solo na bango wana, ils vont se dire la vérité en disant, biso to lingi susu makambo a kobunda te. Nkita na biso biso nyonso tu ifoto bénéficia kanango. Nous ne voulons plus avoir des tricheurs comme ça. Ndiangwana na lobaki na lobina kote kuna o place o ba groupes armés ali. Ils vont mettre d'abord les armes en bas. Token de qu'on s'identifie. Si nous sommes en train de nous battre pour le Congo, allons nous identifier pour que nous puissions être reconnus comme des Congolais. Baninga na biso nyonso tout, mutuna mutwaza lata na numéro na identification. C'est dès lors que nous pourrons être côté kuna balobi bon biso tolingi faire de cette. Ils vont mettre des polices de proximité. Na bandi kolobelo ko depuis Beni. Tant que le président Zalaki na Beni na jusqu'en 2021. J'ai dit, Makambu, oh, y a ba ADF, ba oh, ba existe à kate. Nous connaissons que ces ADF sont des FARDC. Et ça, ba groupes armés kaka ya ba Congolais. Ndem tu ba bo makabatu. Ce sont les groupes armés des Congolais. Je n'ai pas peur de le dire ici parce que nous avons des preuves. Et ça va faire de ces cas quand nous se transformer dans les groupes armés. Nous avons des preuves, nous avons des rapports à Batou, même des rapports des organismes congolaises. Les ONG congolaises, ou les enquêtes et Zali, qui sont les soldats, qui sont faire de ces. Nous avons des choses à faire. Nous avons des choses à faire. Nous un traumatisme dans la population. Bandeko, voilà un peu ce que nous sommes en train de nous dire. Comment est-ce que nous pouvons sortir de cet amalgame yababiloko oeza kotungisa biso? Donc, quelqu'un m'avait posé la question de savoir. Donc, président Tshisekedi aoki kosala ngo, qu'importe. Président Tshisekedi, pour l'instant, c'est lui qui a le pouvoir. Et il a le pouvoir de faire ça. Il peut appeler à une réflexion, yakoloba. To réfléchir nan biso nyonso comme ça ça va eloko ane kobota nini eloko ane kobota unité nationale et kobota bak. Tribu nyonso va s'engager à appartenir à une nation que nous appelons nation congolaise. Et ça, c'est l'engagement, mon pacte à paix. Et cet pacte de paix va découler à un pacte d'administration, à pacte à gérance à notre pays. Moutouna moutou poto yeba kea comme président de la République. Voilà le chemin que nous allons définir. Et moutou oya ko respecter le kwanate, ça sera qu'il sera combattu. Et pas seulement dans son propre territoire, mais par les autres aussi qui iront à accepter. Moutou moua tuninga oui, mais ma résolution ne ko commandeni. Les résolutions des territoires devront être portés au niveau des provinces pour harmonisation des textes. Pendant que bato batikali na territoire bango nini bakotikala nini bakotikala ko élaborer ce que nous appelons ba identification. Mais discussion maintenant ya eloko oyo comme constitution ya sika ba discussion nango ba kotinda batu na kati ya assemblée oza na kati ya territoire, ils vont envoyer certaines personnes ya mayele ba kotinda bango na province. C'est pour cela que vous allez voir avec ce processus, il y aura aussi renouvellement de la classe politique. Il y aura un renouvellement de la classe politique dirigée par les gens que nous allons
accréditer que ce sont eux qui peuvent aller discuter. Ce n'est pas Tshisekedi qui doit désigner certaines personnes au Boya Bosolola. Et ça, quand vous conservez le pouvoir, c'est ce que nous sommes en train d'éviter. Et c'est pour cela que nous disons que à partir de Batouana, Bazako Soso, la Balobite, vision Nabisweza, vision à Moutouté, ce n'est pas la vision de quelqu'un. Tout ce qui est en coupé sa mboka, na moutoumo, komo et kemboka et zamboka nae. Non! Ce pays nous appartient tous. C'est un pays pour les Congolais. Et si tu es là, tu es là pour servir les Congolais. Mais tu n'es pas là pour venir nous dire que non, Mbokeza Mbokanayo, tu vas les diriger comme ta poche en disant que non, nous allons convoquer certains juristes pour nous écrire une nouvelle constitution. Non, ce n'est pas à toi. Constitution, c'est le peuple en conférence, c'est le peuple au Bakozala, Bazako Sala, Bazako, qu'on réfléchir pour Nanani Nabango, qui aura cette cohésion nationale. Mais les lots, ceux qui M23 Bazako se coalisent, et ça kaka pour na koya ko bengana yo. C'est comme cela que pour éviter ça, tikaba makambo babilo ko tokende ko solabwe. Appeler le peuple congolais à dialoguer entre eux pour trouver des solutions fondamentales à leurs problèmes. Parce que ce sont ces problèmes fondamentaux là qui causent à ce que même les autres pays qui sont nos voisins se retrouve un peu en insécurité face à un Congo instable. Un Congo qui n'est pas stable, un Congo qui n'est pas maîtrisé, c'est un Congo dangereux pour ses voisins. Il y a un moment où nous avons commencé à faire des instabilité, nous avons commencé à Congo. Nous avons parti à Bissokotoyo, oh Empire, tout le monde commence à donner un nom. Parce que l'instabilité règne et que ce pouvoir qui est au Congo ne maîtrise pas la gestion de ce Congo-là. Or, la gestion de ce Congo-là ne sera maîtrisée que par l'éveil de conscience des Congolais à se mettre d'accord et à respecter une certaine ordre. Et c'est à ce moment-là que les autres vont nous respecter. Si nous continuons à nous salir tout le temps, les autres ne nous respecteront pas. Il y a un conseiller au président de la République encore, à vous qui m'écoutez, si jusque-là vous êtes encore là, partagez cette émission, abonnez-vous. Ceux qui vous ont abonné, vous pouvez suivre l'émission. Parce que suite l'émission, aux réflexions, à l'élo, nous avons un territoire, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons faire pour désigner les membres qui seront dans ces 300 personnes, par exemple, dans chaque territoire, on va mettre ensemble 300 personnes. Comment ces 300-là, 300 personnes seront désignées? Comment on va financer l'état de lieu à chaque territoire? Comment est-ce que nous allons y arriver? La feuille de route à réalisation à Babilo Kwana, n'a qu'à expliquer à l'émission Homme Soufia. On a abonné, tant que vous avez un coup de temps, cheminois, et que vous avez un ketchup, vous comprendre ma cambobelette. Vous comprendrez, par exemple, comment est-ce que nous allons faire une armée républicaine. Comprendre tes. Il y a un avantage. Abonnez-vous et puis cliquez surtout la cloche à notification. Tant que vous cliquez, vous avez email adresse, un numéro, un téléphone. Déjà, ceux qui ont une émission, tu seras notifié et puis et vous permettre à ta landing à ta ou 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 à ta émission en ligne ou à ta ou expliquer. Rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment Zakosalema. Voilà mes chers amis, donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui, en espérant vraiment que vous avez aimé. Ce que au sepeli na moi émission, tiens-moi le boko, tiens-moi le commentaire, parce que le commentaire na vino, et zope sabiso vraiment sous ma kasi, pour na continuer Moussala Oyo Tobandaki. Voilà, donc merci beaucoup, je vous souhaite de bonnes choses et passez une bonne journée pour ceux qui nous suivent la journée et bonne nuit pour ceux qui nous suivent la nuit. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, au revoir.